Je vous présente mon ouvrage qui a pour titre « L'homme pêcheur ». Le sous-titre « Modèle critique de la justification » montre bien qu'il s'agit d'une étude sur la question de la justification. Cet ouvrage, qui est assez épais puisqu'il fait 730 pages, est entièrement résumé sur cette affiche. Tout en haut, nous voyons la formule luthérienne « Simul justus et peccator ». En français, « L'homme est à la fois juste et pécheur », formule établie par Luther. Sous cette formule, nous voyons trois portraits. D'abord Luther, l'auteur de la formule, puis à côté Karl Barth, très grand théologien contemporain, puisqu'il est décédé en 1968, théologien calviniste qui a produit une œuvre théologique énorme, avec en particulier un très grand livre qui a pour titre « Dogmatique », qui fait à peu près 6 à 7 000 pages. Et à côté, nous voyons Sohrawardi, qui est un théologien musulman iranien du XIIe siècle. Le livre a pour objet d'étudier les catégories herméneutiques de Barth et de Sohrawardi, et en croisant ces herméneutiques, de proposer une nouvelle interprétation de la formule luthérienne « Simul justus et peccator ». En résumé, cet ouvrage ne fait pas des découvertes nouvelles dans le domaine de la justification, mais propose plutôt, plus exactement, un nouveau modèle herméneutique pour mieux comprendre cette formule.